Eh bien, salut à tous mes chers amis gamers, vous êtes en compagnie de Mifa24, j'espère que vous portez plutôt bien, parce que pour ma part je vais extrêmement bien. Cette fois-ci, on se retrouve pour un nouvel épisode sur cette série Mifa24 Tests et Conseils sur Ghost, et on passe donc à la LSAT. Alors, la LSAT, c'est une arme automatique, bonne cadence de tir et compensation du recul amélioré. Donc, la précision qui est excellente, les dégâts moyennement bien, le porté qui est un peu plus que bien, cadence qui est excellente et la mobilité qui est moyennement bien. Donc moi j'ai mis une petite poignée avant histoire de limiter le recul et un silencieux histoire de pas me faire repérer par les ennemis. Niveau atout donc j'ai mis fin prêt, agilité, marathon, silence de mort, amplification et détermination. Ensuite en spécialiste pillard, tour de passe-passe, œil de lynx, hors radar, résistance de chute, concentration et sonar. Donc les atouts ça n'a pas changé. Bref, on se retrouve juste après pour une petite partie en match à mort par équipe pour vous faire voir de quoi elle est réellement capable. Allez, à tout de suite. Et bien, nous revoici donc pour la suite de cet épisode sur cette fameuse LSAT. Et oui, c'est l'avant-dernière arme de ce fusil d'assaut. Enfin, de ce fusil mitrailleur, excusez-moi. Parce que comme vous pouvez constater, il ne manque plus qu'après le chêne art, chêne soir. Et après, on passe au fusil tireur d'élite. Donc, il me tarde de passer au fusil tireur d'élite parce que je vais vous faire voir que ces armes peuvent faire vraiment de sacrés dégâts, ces fusils tireurs d'élite. Bref, allez, c'est parti. Donc, on se retrouve sur la carte Strike Zone, une carte que normalement les fusils mitrailleurs, pourquoi je dis fusil d'assaut, c'est un fusil mitrailleur, ou le fusil mitrailleur, donc c'est un défaut sur les petites cartes, mais je vais vous faire voir qu'avec cette arme-là, tout est possible, quoi. Match à mort par équipe. Comme vous le savez, quand je vous présente une classe, c'est que forcément, cette classe-là, elle fait de sacrés dégâts, parce que je fais des dégâts avec, et que logiquement on pourrait faire des dégâts avec. Hein. Si moi j'arrive à faire des dégâts, pourquoi pas vous hein. Donc tout est possible. Hein. Il suffit d'avoir des bons déplacements, enfin avoir un bon déplacement avec cette arme. Et de jouer très intelligemment. Ça sert à rien de foncer dans le tas. Donc, déjà il faut taper un grand sprint. Hein. Voilà. Déjà je trouve que le viseur d'origine de cette arme, elle est vraiment correcte. Je trouve qu'elle est correcte même. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de viseur dessus. Là par contre j'ai fait un peu le fou là. Ça doit se passer de mon côté. Ok, là je m'écarte un peu de mes alliés. Là les alliés font un peu de la merde. Toujours vérifier sur les côtés. Mec est allongé quoi. Donc là je repasse par là. Ok, il y en a un autre. Hop. Il y en a sûrement un qui va passer en haut là. Non, ça se passe derrière mon dos. Il doit en avoir un autre. C'est bon, il a réussi à l'avoir. On va essayer de continuer. On s'est lancé. Là, je vais recharger. Ouh, en rechargeant, j'ai failli me faire tuer. Donc là, on va continuer. Hein. Il doit sûrement avoir un en haut. Non, ça se passe derrière mon dos. Ok, il y en avait bien un en haut. Il y en a un en bas. C'est bon, il a réussi à l'avoir. Il y en a un autre qui je crois qui monte en haut encore. Ok, là ça mitraille. Ça mitraille non-stop. Ok, là je m'allonge. Je m'allonge, je suis un peu dans la merde. Il vaut mieux s'allonger. Ok, là j'ai réussi. Oh non, j'ai atterri
Plein. Oh non, face à lui quoi. J'étais pas loin d'avoir quand même ma AKM. J'étais à 12 kills de la KM. Ah non, j'étais coincé, j'ai pas pu rusher. Là par contre je me fais tuer vraiment bêtement. Il y en a un là. On est en train de gagner. Ok, 2-1. Il y en a d'autres là sur le côté là. De 2. Ok, il y en a d'autres ici. Il y en a d'autres. 3. Le 4. Ok, ça se passe de là. Ça se passe là. Ça se passe là. Ok, ça va peut-être monter sur le camion. Hein. C'est bon, j'ai réussi à en avoir un. Ça se passe sûrement dans ce bâtiment. Non, ça se passe pas dans le bâtiment. Ça se passe là, ça se passe là. Je l'entendais. J'étais pas sûr de moi, mais c'était bien lui. Hop, là, je vais continuer. La veste. Ils sont tous là, hein, mais je ne sais pas où ils sont. Derrière. Hop. Heureusement que j'avais la veste, hein. La veste m'a bien protégé. Voilà, bah écoutez mes chers amis, j'ai fait un petit score de 21-2. C'était pour vous faire voir de quoi elle était réellement capable cette arme là. Comme vous avez pu constater, c'est une arme polyvalente. De la distance à la courte distance, elle fait vraiment de sacrés dégâts, je peux vous assurer. Et je pense que vous allez peut-être bien vous amuser et pourquoi pas faire une petite KM avec, parce que c'était faisable de faire une KM. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter, de dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine, bye bye tout le monde.